Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio, l'émission qui revient sur l'actu du week-end et qui fait l'actu ce soir, le rugby pro au cœur de la mêlée avec René Bouscatel, le président de la Ligue Nationale de Rugby, invité exceptionnel de Sud Radio, il est avec nous, on va en parler dans quelques secondes. Il symbolise le présent et l'avenir de Clermont, on rencontre avec Baptiste Jauneau, son numéro 9, avec nous à partir de 20h30, Philippe Swanguero est là également, la team Sud Radio est là et puis bien sûr vous les auditeurs au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus au standard. Aude vous attend. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, salut Philippe. Salut François, bonsoir René, bonsoir à tous. Bonsoir Philippe. Bonsoir René, on va bien sûr revenir vers vous, président, dans un instant. Mais avant cela, on a une petite tradition dans cette émission, c'est qu'on débute l'émission avec les trois infos à retenir de ce lundi côté rugby avec Quentin. Bonsoir à tous et on débute avec une triste nouvelle, c'est la légende du rugby, Lucien Mias, emblématique deuxième ligne et capitaine tricolore des années 50, qui est mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 93 ans. Des minutes d'applaudissements seront organisées sur les différentes pelouses de Top 14 et de Pro D2 ce week-end pour lui rendre hommage. Coup dur pour le Castres Olympique qui va devoir finir la saison sans son capitaine Mathieu Babillot, blessé au coude contre le MHR samedi et forfait jusqu'à l'issue de la saison. Toujours dans le rayon infirmerie, Romain Buros et Nicolas Deporter, les deux joueurs de l'UBB, pourraient aussi voir leur saison régulière terminée. On parle d'une absence de 4 à 6 semaines pour les deux joueurs. La commission de discipline spécialisée Salary Cap de la Ligue a été saisie d'un litige entourant le transfert de Dan Bigard entre Northampton et Toulon. C'était en fin 2022. L'audience aura lieu, elle, le 22 mai. Et puis, une dernière nouvelle avec les All Blacks. Sam Ken qui mettra fin à son aventure internationale avec la Nouvelle-Zélande à la fin de l'année. Il aura porté pendant 12 ans le maillot All Black. Voilà, merci Quentin pour ces infos. Lucien Mias, quand même, on est obligé de... On va en parler 20h45 avec Jean-Pierre Pagès, gueule du rugby, qui va être avec nous pour parler des échanges qu'il a eu avec Lucien Mias, qui est grand personnage du rugby français, et que René Bouscatel, vous, le Toulousain, vous connaissiez forcément Lucien Mias, disparu donc à 93 ans, figure du rugby français, mazamétain, et donc forcément que vous avez croisé. Tout à fait, et ce d'autant plus qu'il a été capitaine de... l'équipe de médecine à Toulouse, à un temps où il y avait de belles équipes universitaires, et je me souviens des matchs qu'il disputait, notamment contre une deuxième ligne de Toulon qui s'appelait Rocheteau. Mias Rocheteau, c'était quelque chose. Voilà, c'était un personnage pour cette équipe de France qui avait été la première à gagner une série de tests en Afrique du Sud. La première aussi à décrocher, ça c'était en 58, la première à décrocher une victoire dans le tournoi des 5 nations en 59. C'était pas le grand chelem, mais c'était une première victoire. C'était en 59. Un petit mot quand même, on va bien sûr parler sur toute l'actualité de la LNR, de la Ligue Nationale de Rugby, que vous présidez René Bouscatel depuis 2021, on est d'accord. Et on va en parler, mais avant cela, quand même, un petit mot sur Toulouse hier, qui a cartonné face au Stade Français, qui a repris cette place de leader. Vous étiez au match? Oui, j'étais bien sûr au match du Classico, j'en ai vu quelques-uns, oui. Et celui-là m'intéressait particulièrement. Il y avait un enjeu, c'était la première place. Toulouse jouait à Toulouse, il a gagné, et il avait perdu au Stade Français, à Jean Moulin. Voilà, vous avez présidé 25 ans le Stade Toulousain de 92 à 2017. On va dire que vous regardez cette équipe que vous avez mise en place. Il y a Hugo Mola, il y a Didier Lacroix, il y a cette équipe. Est-ce qu'elle, comment elle s'inscrit par rapport à toute la connaissance des rouges et noirs que vous avez, par rapport au jeu et à la trace qu'elle est en train de laisser? Vous savez, au Stade Toulousain, j'ai l'habitude de dire que nous sommes tous des héritiers. Je suis l'héritier de Jean Fabre, qui a été 3 fois champion de France. Je suis le prédécesseur de Didier Lacroix, que je connais depuis ses débuts au rugby au Stade Toulousain. Nous sommes tous des héritiers, donc tous les entraîneurs ont porté le maillot, tous les présidents ont porté le maillot, c'est un lien de filiation, et puis il y a le lien du jeu, jeu de main, jeu de Toulousain, le jeu debout, et puis des principes simples... la concurrence, la polyvalence, la formation. Non, il y a une grande filiation. Et après, bien sûr, on construit le jeu en fonction des règles du moment et de l'air du temps. On donne les couleurs du temps, mais la philosophie est la même.
Le choix quand même que vous aviez fait de Hugo Mola n'était pas évident au moment où vous l'avez pris, c'est-à-dire 2014, hein, si ma mémoire est bonne, 2015 peut-être. 2015, oui, quand Guy Noves est parti, j'ai choisi Hugo. Pourquoi Hugo ? Mais parce que Hugo, je le connaissais depuis qu'il était cadet, hein, un junior. Il m'avait dédicacé une photo de champion de France Reichel en 94, où il était quand même en bonne compagnie avec Castagnède, etc. Hein. Voilà. Garbajosa, voilà. Donc c'est quelqu'un que je connaissais et je savais qu'il était porteur de la philosophie du jeu du Stade Toulousain, comme je disais, du jeu debout, du jeu de main, voilà. Ouais. Et donc je lui ai fait une confiance absolue et je ne me suis pas trompé. Je crois que mon successeur, Didier Lacroix, en est totalement ravi. Philippe Spanghero, juste on reste sur la partie sportive avant de rentrer bien sûr sur l'actualité plus économique et institutionnelle avec René Bouscatel, l'invité exceptionnel de Cœur de la Mêlée. Quand même, une classe d'écart hier entre Toulouse et le Stade français. On se demande bien qui pourrait arrêter le Stade toulousain cette saison, même si on sait qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours, comme le dicton le dit. Non, mais c'est vrai que cette année particulièrement, on sent vraiment une division d'écart. C'est vrai qu'il y a ces Rochelais qui sont un peu plus en difficulté, qui étaient les meilleurs concurrents du Stade Toulousain ces dernières saisons en phase finale, que ce soit en Champions Cup ou en championnat. Voilà, le Stade Toulousain a pris des points importants à l'absence de ses internationaux, je pense. Pour en avoir parlé un peu en interne, qu'ils ont été agréablement surpris de la façon dont s'est passée cette période post-Coupe du Monde, qui est déjà, qui est toujours un moment délicat parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs concernés. Et puis, pour revenir sur ce que disait René et la qualité de cette formation toulousaine, ce qu'il faut relever qui est exceptionnel au Stade Toulousain, c'est ses points pris avec la toute jeune garde cette année, dans des matchs qui étaient compliqués à aller chercher, notamment à Clermont, des matchs à domicile où ils ont beaucoup fait tourner. Ils ont utilisé 56 joueurs. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu dans une saison de top 14, mais c'est hallucinant. On a vu des jeunes joueurs qui sont parfois de tout jeunes titulaires en espoir et qui ont rivalisé. Et donc, en ça, le Stade Toulousain a pris des points importants. Et c'est vrai que là, on sent qu'ils sont dans les meilleures conditions pour jouer sur les deux tableaux, parce qu'ils vont pouvoir potentiellement gérer un peu la fin de saison en top 14 pour se qualifier dans les deux directement et se focaliser sur cette finale de Champions Cup, qui même sans l'avoir annoncé officiellement, parce que c'est pas le genre de la maison, on sait quand même qu'ils en ont fait un objectif très particulier cette année. René Bouscatel, l'actu du jour, on le disait, c'était le décès de Lucien Mias, mais c'est aussi ce que révélaient nos confrères de l'équipe, comme quoi il y aurait un potentiel litige lié au transfert de Dan Bigard de Northampton à Toulon. La commission de discipline spécialisée dans le salary cap de la Ligue est saisie, réponse le 22 mai. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Non, je ne suis pas au courant du dossier. C'est un dossier qui concerne la commission de contrôle et de régulation. Je n'en sais pas plus. Ça suit son cours et on verra s'il y a matière ou pas. Hein. C'est un problème parce que bon, là, on a l'impression que c'est le deuxième cas, puisque en tout cas l'équipe compare ce cas à celui de Colby de Toulouse à Toulon. Est-ce que aujourd'hui c'est le principal danger entre guillemets de maîtriser cette salary cap pour la Ligue? Ça fait partie des enjeux importants. Bien sûr, vous savez, je crois que la réussite de la Ligue et la réussite du rugby français, c'est la qualité de ses compétitions. Il faut avoir un vrai produit, excusez-moi de parler en ces termes, de produit d'une compétition. Il faut avoir de vrais produits, que ce soit en top 14 ou en pro des deux, qui se fortifie et tous les ans. Il faut avoir ce produit. Et ce produit, on ne peut l'avoir que si il y a de l'incertitude. Pour qu'il y ait de l'incertitude, il faut que les avantages et les inconvénients soient lissés. Donc il y a un salary cap, il y a un nombre de GIF, de joueurs formés dans les centres de formation français, dans le rugby français. Il faut respecter ces règles. Vous savez, j'ai connu une période de jeune président à l'époque où nous avions joué 4 finales d'affilée, 4 gagnées contre des finalistes différents. Aujourd'hui, regardez le championnat. Nous sommes à l'avant-dernière journée, on ne sait pas encore qui seront définitivement dans les 6 qualifiés. Et dans les 6, il y en a un qui sera champion, c'est pas obligatoirement le premier.
Voilà, ça c'est la culture du rugby, la culture de la phase finale. Philippe Spanghero, peut-être tu veux commencer par un sujet en particulier pour commencer nos discussions avec René, en tout cas les poursuivre au-delà du sportif. Non, le sujet du salary cap, on peut en parler. Je pense que ça a été une très bonne règle et je dis pas ça parce que René est là. On en a assez parlé cette année, mais c'est vrai que quand on voit l'homogénéité cette saison, Perpignan s'est un peu tiré une balle dans le pied, mais on s'est dit qu'ils étaient potentiellement qualifiables à la vue de leur parcours depuis le début de l'année 2024. Il y a Pau qui joue les troubles faites. Et ça, c'est clairement la règle du salary cap qui permet ça. D'avoir des équipes qui ont des budgets quasiment deux fois inférieurs au Stade français, au Stade toulousain, de figurer, de jouer les troubles faites. Ça, c'est intéressant. Ma question, peut-être, je pense que la très bonne décision, ça a été de stopper cette inflation. Il y a une première bonne décision qui a été de geler la baisse du salary cap, puisqu'elle avait été décidée dans un premier temps pour être encore réduite dans les années qui arrivent. Mais je pense que vu l'économie du rugby qui se développe, vu les affluences, vu l'évolution des droits télé dont on parlera tout à l'heure, ça aurait été compliqué de baisser encore. Mais là, quelle est la vision que tu as, toi, René, par rapport à cette période de stagnation? Elle est figée pour combien de temps, cette règle de gel du salary cap? Et quelle est ta vision par rapport à sa réévolution future? Alors, toutes les règles sont faites pour être éventuellement modifiées, mais en ce qui me concerne, j'ai pris un engagement sur 3 ans, de manière, alors, on n'a pas diminué, mais on a figé, ce qui fait que sur 3 ans, il y a une diminution, mais lissée sur 3 ans, et non pas imposée tous les ans, mais je pense que c'est une nécessité. Les budgets sont différents, mais les masses salariales sont quasi identiques. Sur 14 clubs, il y en a 10 qui sont à la limite du plafond du salary cap. Qui est de 11 millions à peu près. Qui est de 11 millions 7. Et il y en a 3 qui flirtent avec. Et un seul qui est, je pense, si mes renseignements sont bons, est un peu en dessous. Mais un peu en dessous, on parlait de Perpignan hier, j'étais au match, avant-hier. Véritablement, Perpignan a fait une merveilleuse saison et c'est un peu dommage pour eux qu'ils aient chuté sur ce dernier match. Les droits télé, vous avez lancé un nouvel appel d'offres il y a un mois, début avril, pour la période 2027-2031, voilà, en espérant, j'imagine, une hausse. Mais pourquoi le lancer maintenant? Quel était l'enjeu stratégique pour vous? C'est pas une nouveauté, ça a été fait sur, je crois, les 3 derniers appels d'offres, par anticipation. Pourquoi? C'est avoir une lisibilité. C'est que les clubs, les présidents de clubs, aient une lisibilité sur les droits télé, qui sont quand même une grosse partie des ressources, des budgets, des clubs. Si nous avons cette lisibilité, je pense que les clubs peuvent mieux se préparer sur des plans à plusieurs années. Prix de réserve fixé à 130 millions ? Oui, 130 millions, c'est le prix de réserve. Mais après, nous verrons en fonction des réponses, puisque nous recevrons les réponses le 22 et le 23 mai, c'est bientôt. Si les lots sont attribués, ce sera terminé. S'ils ne sont pas attribués, il y aura un deuxième tour dans les jours suivants. Mais nous arriverons à trouver une solution. Le but, ce n'est pas de multiplier ou de surmultiplier les droits. C'est de les faire augmenter de manière harmonieuse, équilibrée, de répondre aux besoins des clubs et surtout, encore une fois, de leur donner cette lisibilité sur le temps. Philippe, sur ce point, qu'on va développer, on va devoir faire une pause, mais peut-être une intervention sur ce point avant de faire un petit break. Oui, c'est un sujet toujours délicat parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est vrai que ça concerne pas que le rugby, mais il y a peu d'acteurs. Mais la chance du rugby, c'est cette relation de confiance avec le groupe Canal. Et ça, il faut le saluer parce que sur les appels d'offres précédents, Canal a mis un prix en sachant qu'il n'y avait pas de concurrent potentiel au même prix. Canal a accompagné toujours le développement du rugby et de son économie. Donc là, je ne sais pas ce qui va en être. Mais certainement que Canal continuera à accompagner. Je pense qu'il faut saluer aussi cette chance qu'a le rugby, de cette fidélité. Quand on voit ce qui s'est passé à côté de nous avec le foot français qui a joué une folle enchère avec Mediapro et qui a complètement tué son produit et reparti de zéro en s'étant complètement braqué
paquet Canal qui était un partenaire historique. Je pense que voilà, le rugby dans sa relation avec Canal, ils se sont nourris l'un de l'autre. On a grandi grâce à Canal. Canal a aussi grandi grâce au rugby parce que les audiences servent le groupe, il faut pas se le cacher. Mais je vois pas comment cette relation pourrait pas perdurer. Oui. Président, vous croisez les doigts. Oui, je croise les doigts. Qu'il y ait des réponses, que les meilleurs gagnent, c'est une certitude. Mais c'est vrai que le rugby a progressé dans ces 25 dernières années grâce aux droits de diffusion acquis par Canal+, et surtout à cette relation, j'allais dire presque partenariale. Je peux pas trop en parler, mais c'est une évidence. Philippe le soulignait et il a raison. Mais maintenant, il faut aussi de la concurrence et peut-être qu'il y aura des concurrences. D'autant plus que on peut pas donner en un seul lot. Il y a quatre lots qui sont. Il y a des packs. Il y a des packs. Voilà, c'est très quatre lots, quatre lots différents qui étaient donnés et on ne sait pas qui sera le mieux disant sur l'un ou sur l'autre. C'est pas sûr que Canal Plus d'abord y soit. C'est pas sûr qu'il gagne tout. Il faut de la concurrence. C'est comme au rugby. J'en parlais tout à l'heure hein, sur l'équipe et le jeu du Stade Toulousain. Il faut de la concurrence. Mais ce que nous avons fait cette année, je tiens à le souligner en ce qui concerne les droits télévisés, c'est que pour la première fois, on a inclus dans l'appel d'offres les droits de la Pro D2. La Pro D2 est un championnat qui gagne du terrain et qui progresse tous les ans. Elle était un peu le parent pauvre en termes de droits télé. Et en le mettant ensemble, ça permet de créer une synergie, je l'espère, pour les deux divisions et pour le rugby professionnel. Ouais, avant, les droits étaient un peu décalés en termes de calendrier. Désormais, ils sont alignés. Alignés et dans le même appel d'offres. Voilà. Il y a un lot dans lequel il y a une partie du top 14 et la Pro D2. Allez, on va se retrouver dans un instant. Bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. René Bouscatel, président de la Ligue nationale de rugby, invité exceptionnel de Cœur de la Mêlée sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot. 20h21 sur Sud Radio, au cœur de la mêlée, René Bouscatel, président de la LNR, la Ligue nationale de rugby, invité exceptionnel de Sud Radio, avec Philippe Spanghero, bien sûr, la famille Spanghero, René, à laquelle vous vouliez rendre hommage. Oui, j'étais hier à la demi-finale de National entre Narbonne-Carcassonne, match difficile mais emporté par Narbonne, et il y avait forcément la famille Spanghero, à quelques exceptions près, mais ils étaient très présents par la pensée. Je voulais saluer la famille Spanghero à cette occasion. Grand nom du rugby, bien sûr, la famille Spanghero, et dans ce jour où Lucien Mias nous a quittés, voilà, ça fait partie aussi des noms qui résonnent dans ce rugby. Ce rugby qui évolue. On parlait tout à l'heure donc des droits télé. On rappelle qu'actuellement, le barème de droits télé, c'est quoi ? C'est à peu près 121 millions d'euros entre le top 14 et la Pro D2. Oui, c'est 121. Voilà. Est-ce que vous pourriez pas être plus gourmand quand même, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les audiences qu'a fait la Coupe du Monde, en France notamment, est-ce qu'on pourrait pas peut-être avoir aussi une affiche par semaine en clair, être peut-être encore plus, à l'offensive? Bah écoutez, c'est très simple, c'est que nous avons fixé un prix de réserve. Un prix de réserve, ça ne veut pas dire que nous souhaitons ce minimum. C'est le minimum pour attribuer les droits. Donc nous espérons que ça montera, nous espérons qu'il y aura de la concurrence qui permettra de faire monter. Mais encore une fois, dans le raisonnable, je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres sports, mais quand on va chercher trop loin, la chute peut-être difficile, même sans aller jusque-là. Je vois les droits anglais. Les droits anglais diminuent, le championnat anglais diminue tous les ans. Peut-être parce qu'ils n'ont pas construit un produit, une compétition comme la nôtre, avec des montées et des descentes, avec une première et une deuxième division, et les droits télé descendent alors que les nôtres progressent de manière harmonieuse, équilibrée. Et c'est pour nous c'est presque le principal. Nous construisons sur la durée. Philippe,
Philippe Swanguero. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, il y a quand même des montants évolutifs qui ne sont pas neutres tous les ans. Donc, imaginons que le prix de réserve soit atteint en 2027. En 2031, ça amènera à des budgets de 160-170 millions. Là, ça commence à être des échelles importantes et qui vont avoir un impact important sur la structuration des budgets des clubs et principalement sur ce championnat de Pro D2. Parce que quand on raisonne en pourcentage, c'est vrai que pour les gros clubs du top 14, c'est encore un peu moins significatif. Mais aujourd'hui, on a un championnat de Pro D2 qui finalement, quand on regarde le niveau de pertes cumulées, est un championnat raisonnable. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a aucune réalité économique, quand on entend le président Le Maître, etc., on peut avoir l'impression que vraiment, le rugby est un puissant fort, mais c'est pas vrai partout. Il y a quand même une réalité économique qui s'installe, notamment en Pro D2, et on est sur un budget moyen aux alentours de tête de 7 millions, 7 millions et demi, avec une évolution des droits télé, parce que le rugby a un modèle très particulier de répartition équitable. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi. Il y a des gros clubs qui râlent un peu en se disant mais nous, on n'a pas les mêmes problématiques. Ouais, justement, ouais. Bernard Lemaître en a parlé sur notre antenne samedi et on va en écouter un extrait, René, parce que c'est intéressant. Et pardon, Philippe, je t'ai coupé, mais justement pour rebondir et alimenter. C'était la transition. Ouais, même magnifique. Voilà, c'était comme à l'entraînement. Allez, Bernard Lemaître, c'était samedi dans Au cœur de la mêlée. Aucune vision, un conservatisme frileux, un égalitarisme qui se comprend par certains côtés, bien entendu, personne n'est contre, mais bon, étaler les ressources du rugby sur 30 clubs professionnels. C'est pénaliser les locomotives que sont les Toulouse, les La Rochelle, les Toulon. Voilà, sont eux qui font vivre la Ligue. Et ce sont eux qui font vivre la Pro D2. Il faut faire des choix. Ces choix ne sont pas faits. On refuse les ouvertures à l'extérieur en matière de financement. Ce qui fait que, bon, on va continuer à stagner. Ce qui n'empêche pas le rugby de continuer d'être intéressant, de passionner les gens, d'avoir quelques affluences qui augmentent. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont très temporaires. Réaction, René Buscatel, voilà, parce qu'il a démissionné du comité directeur Bernard Lemaître en janvier dernier, le président de Toulon, voilà, il était assez factuel dans tout ce qu'il décrivait. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? C'est très simple, je crois que la Ligue nationale de rugby est la ligue sportive qui est en plein essor régulièrement. Nous avons deux championnats qui sont des modèles. Tout le monde est prêt à dire, c'est peut-être excessif, que le top 14 est le meilleur championnat du monde. Pourquoi ? Parce que nous avons des clubs qui ont des mêmes masses salariales et donc qui sont en concurrence avec de l'imprévu, avec du suspense tout au long de l'année. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est dû à la politique qui est menée. Alors, il est sûr que les grands clubs préféreraient peut-être, et pas tous, mais peut-être certains préféreraient, surtout ceux qui sont adossés à un investisseur principal, qui préférerait abonder un peu moins dans les déficits de son club, mais les autres, ceux qui vivent d'une économie, j'allais dire, réelle, eh bien, ils sont parfaitement satisfaits. Et si nous n'avions pas de Pro D2, regardez le championnat anglais, 12 clubs, pas de montée, pas de descente, pas de Pro D2. Conclusion, difficulté dans certains clubs, ils sont à 10. Les droits télé qui étaient à 40 et quelques sont à 30 et quelques aujourd'hui. On est loin des chiffres du rugby professionnel français. Pourquoi on l'a fait ? On le fait, et pourquoi ça tient ? C'est justement parce que on a ces règles très claires. On doit avoir un produit, et le produit il doit être concurrentiel. Si on pouvait donner plus, on donnerait, la Ligue distribue tout, hein, soyons clairs. Mais on a une solidarité. Si un club descend, par impossible, c'est pas arrivé, était en difficulté financière, il y a un club de Pro D2 qui monterait en top 14, il y a un club de national qui monterait en Pro D2 sans difficulté, alors que le championnat anglais est en grosse difficulté. Et alors, Bernard parlait d'un fonds d'investissement qui serait intervenu, on a vu ce que ça donne. En Angleterre, 27 ou 28%. Le CVC a versé une somme importante aux clubs. Les clubs en ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais, conclusion, ils ont 28% de moins de bénéfices à se répartir entre eux. Ils étaient déjà en difficulté, et ils rajoutent à la difficulté
le fait d'avoir 27 ou 28% de moins à se distribuer. Alors que en France, on augmente tous les ans la répartition. Ce sont deux modèles différents. Si on est pour un modèle de basé sur des franchises sans montée, sans descente, dans le style, regardez ce que ça donne dans les championnats dans l'hémisphère sud et dans les pays celtes. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas de montée, s'il n'y a pas de descente, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'action. Il y a moins de public. Le championnat français est le seul qui arrive à amener des foules, des téléspectateurs. Tous les ans, on augmente sensiblement du même pourcentage le nombre de spectateurs dans les stades et le nombre de téléspectateurs. C'est quand même pas si mal que ça. Cette année, on est à plus de 15 000 spectateurs par match en top 14. On est à près de 6 000 en Pro D2. C'est pas mal. Regardez. Il y a eu un effet Coupe du Monde ? Moyen. Non, très moyen. Très, très moyen. D'accord. Je crois que la rupture en quart a coupé l'élan qu'on aurait pu avoir. Philippe, mot de la fin, parce que je crois qu'il faut que je vous libère. René, il est presque 20h30, mais ça passe vite. Comme vous voulez. Oui, le mot de la fin, alors c'est un débat très intéressant parce que. Moi, je suis d'accord avec René dans le sens où ce qui a préservé cette ligue et qui l'a rendue si solide sur ses bases, c'est ce principe de solidarité et ce lien très proche entre Top 14 et Pro D2. On est le seul rugby mondial qui a deux réelles divisions professionnelles dignes de ce nom. On a même cru qu'on pouvait en avoir trois. Je ne sais pas ce qu'en pense René. Je pense que là-dessus, on s'est trompé parce qu'on voit ce qui se passe en national. Et là, on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre et on a expliquer à des joueurs de niveau en dessous qu'ils étaient des vrais professionnels. Et ça, pour moi, c'est potentiellement un sujet. Mais déjà, on a deux grandes divisions professionnelles. Après, on comprend les capitaines d'industrie, comme le disait René, qui mettent leur argent personnel et qui se disent « Mais moi, j'ai pas la même problématique qu'un club qui monte de national en Pro D2. » Et on peut pas être aligné sur la vision moyenne-long terme parce que on n'a pas les mêmes enjeux. Mais à la fois, c'est vrai que cette équité sportive, elle permet cette homogénéité. Et quand on voit à quel point la Pro D2 est un championnat tremplin pour des grands joueurs, enfin, je ne citerai qu'un joueur, c'est Thomas Ramos, qui est passé à Colomiers, dont on ne savait pas s'il allait revenir au Stade Toulousain ou pas. On voit ce que ça a donné. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Et c'est la stabilité financière de cette Pro D2 qui le permet. Et la stabilité financière de la Pro D2, elle est assurée encore plus par la Ligue qu'en Top 14 par les droits télé. Donc voilà. Dernière question avant de vous libérer, président. Deuxième mandat ou pas ? C'est dans un an l'élection. Vous pouvez le dire, là, en direct sur Sud Radio, ce serait sympa. Je n'accepte que du cash, pas de mandat. Donc, Joker. Mais enfin, ça va. Je vais très bien, je suis en pleine forme. Je pense que les résultats de la Ligue sous ma présidence ne sont pas si mauvais que ça. Je pense qu'on a vraiment pacifié les relations avec la fédération et je m'en félicite, que ce soit avec l'ancienne équipe ou la nouvelle aujourd'hui. Je pense que on a réussi aussi à pacifier les relations entre certains clubs dans la progression constante. Donc je pense que le bilan jusqu'à présent est positif. Nous verrons dans un an si bon, il est vous positif, allez annoncer quand cette candidature pour le deuxième, la continuité du deuxième mandat. Je vais voir ma voyante et je vous le dirai sous un retard. Mais venez le dire sur notre antenne, en tout cas, René Buscatel, c'était un plaisir. Alors, René, je saisis la balle au bon. Juste, j'ai une requête. Je m'attire les foudres de tout le monde sans arrêt parce que je n'ai jamais compris pourquoi on disait le top 14 et la Pro D2. Donc moi, je dis le Pro D2 parce qu'on le traite de façon très privilégiée sur Sud Radio tous les week-end. Et donc, j'ai reçu un message du community manager de la Ligue me disant que c'était la Pro D2. Et j'ai dit que j'allais demander une modification pour une cohérence avec le top 14. Donc, si vous pouvez mettre ça à l'ordre du jour d'un prochain bureau, ce serait vraiment très sympathique.
Je le dis, je le traite pas par la dérision, mais par un sourire. C'est parce que la Pro D2, c'est une compétition, donc c'est féminin. Le top 14, c'est un championnat, c'est masculin. Mais c'est une boutade. Voilà, mais bon, après, si on fait des trucs un peu comme ça, moi, j'ai besoin de place pour Bordeaux. Je suis bordelais, plein de gens me demandent, veulent acheter des places. Il n'y en a plus. Vous voulez demi-finale. Je vous fais une confidence vraie, c'est que je n'ai pas de place pour mes membres de ma famille. Frères, sœurs, enfants, et je suis à la recherche moi aussi de place pour la demi-finale. On va lancer donc un SOS pour René Bouscatel. Merci en tout cas René d'être venu avec nous sur l'antenne de Sud Radio. On est très en retard, Quentin fait les gros yeux. Dans un instant, la relève du rugby clermontois et du rugby français, c'est Baptiste Jeunot, 20 ans, il symbolise le présent et l'avenir, il est avec nous sur Sud Radio. Restez bien au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot. Avec vous les auditeurs, Sud Radio 0826-300-300, les invités qui se succèdent dans cette émission du lundi soir qui revient sur le week-end. Et comment ne pas revenir sur la belle victoire de Clermont à Perpignan? C'est l'un des faits marquants du week-end. Pour en parler, son numéro 9, son leader, son capitaine, voilà, et qui a fait basculer le match, c'est Baptiste Jeunot qui est avec nous en direct. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quel match quand même, quelques jours après une élimination douloureuse en Challenge Cup. Vous avez réussi à renverser Perpignan et Mégiral. J'imagine que vous l'avez fêté quand même, cette victoire. Oui, on l'a fêté, mais dans le bus. C'est un bon moment, c'est le meilleur de la saison pour l'instant. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est le moment qui nous fait du bien. Parce que, ben, comme vous l'avez dit, par rapport à l'élimination, et surtout on en a besoin pour le top 14. Ouais, vous en avez besoin, mais a priori, là, le maintien est assuré quand même. Bah, enfin, niveau comptable, c'est pas encore fait. Ouais, mais bon, en tout cas, ça a fait du bien, cette victoire. Racontez-nous quand même, raconte-nous, je peux tutoyer Baptiste, tu as 20 ans. Raconte-nous ton essai, parce qu'il est quand même exceptionnel, cet essai. Jeu au pied, et ensuite, que se passe-t-il? Comment toi, tu vois les choses quand tu les vis sur le terrain? Non, juste, je vois qu'il tape, il y a Ourda Pieta qui récupère le ballon. Et du coup, ben, je me replace derrière lui parce que je pensais qu'il allait relancer. Il tape au pied, on avait un avantage, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais tenter, même si, bon, vu ma taille, je pensais pas récupérer le ballon. J'arrive à l'avoir et après, ben, par chance, ben, je continue ma course et il y avait, à part McIntyre, il y a plus grand monde. J'arrive à l'avoir par la course. Et après, je vais au milieu des perches pour la transformation, pour qu'elle soit plus simple. Ouais, et ça paraît facile, hein, Philippe? Ouais, ça paraît facile, dit comme ça. C'était un peu comme à la PlayStation, mais je ne sais pas si Baptiste a connu le jeu de Jonah Lomu, il est trop jeune pour ça. Mais bah, plus sérieusement, Baptiste, j'ai une question qui concerne un peu ton épanouissement. On a eu Christophe Furios invité il y a quelques semaines, qui nous parlait d'une relation un peu particulière qu'il avait avec toi, notamment. Est-ce que cette relation avec Christophe Furios, elle t'a permis de te libérer complètement? Est-ce que tu l'expliques en partie par cette confiance que tu sens acquise par lui? Et est-ce que tu peux nous parler de cette relation que vous avez? Bah, avec Christophe, non, tout va très bien. On a une relation, je pense, bien, enfin, saine. Christophe peut me dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je ne le prendrai jamais mal. J'aime la sincérité qui dégage et qui dit, enfin, il dit toujours les choses vraies. Il va pas mâcher les mots, etc. C'est une chose que j'aime bien, même si des fois c'est compliqué à entendre, mais ça fait partie des choses. Mais enfin, avec Christophe, je trouve elle est bien cette relation. Très bonne relation. Il a été d'ailleurs très élogieux à ton égard en conférence de presse. Après, voilà, il réclamait, lorsqu'il était d'ailleurs sur notre antenne, plus de leadership. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident. À 20 ans, t'as commencé très jeune. Je crois que c'était 18 ans, hein, en première à Clermont. On rappelle que t'es originaire du Béarn, que t'as joué au Laurent avant à Augeux, puis ensuite à Biarritz, et que t'es arrivé à Clermont il y a 3 ans. Ce leadership, tu sens que de plus en plus, c'est toi le boss? Alors, je sens pas que je suis de plus en plus le boss, mais juste, je me sens de plus en plus à l'aise à parler. Après, pour moi, il faut que je fasse le meilleur job possible sur le terrain pour que les autres puissent me suivre.
parce que pour un jeune joueur, je trouve que c'est pas facile d'être écouté. Mais avec le groupe qu'on a, je me sens libre quand même par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu un effet de retirer le casque, Baptiste? On t'avait vu toujours depuis tes débuts chez les pros là, avec un casque. Et là, ces derniers temps, et notamment le week-end dernier à Perpignan, tu étais sans casque. Et voilà, il y a beaucoup, d'ailleurs beaucoup de comparaisons avec Dupont. Est-ce que tu les acceptes? Oui, non, parce que alors ça fait plaisir qu'on me compare à lui. Après, c'est vraiment une autre planète. Dupont, moi, je suis juste un jeune joueur qui essaie de faire du mieux possible les choses. J'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à améliorer aussi. Mais ça fait plaisir. Après, par rapport au casque, c'est juste avec cette règle de la Ligue qui a fait que j'ai dû enlever le casque. Et voilà. Ouais, on aurait voulu en parler à René, mais il y avait plein d'autres sujets à aborder. Voilà, pourquoi on vous interdit le casque? Est-ce que tu peux l'expliquer aux auditeurs? En fait, ils n'interdisent pas le casque, c'est juste il faut qu'on ait tous tous la même couleur de casque pour que les spectateurs voient mieux, ça soit moins dérangeant pour leur jeu et pour la télé aussi. Voilà, pour qu'il y ait une unité et que les vieux commentateurs puissent, on va dire, ne pas confondre certains joueurs. Je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi la fin de saison pour toi, Baptiste? Comment tu la vois? Le maintien, tu disais, il reste trois matchs. Ces trois matchs, c'est Castres à la maison, déplacement à Toulon, réception de Montpellier. Comment tu vois cette saison? Et est-ce que toi, tu te projettes sur une, pourquoi pas, tournée en Argentine? Alors déjà, pour la tournée en Argentine, non, je ne m'y projette pas pour l'instant. Je pense à mon poste, il y a énormément de personnes, il y a énormément de neufs qui sont vraiment sont meilleurs que moi. Après, si on m'appelle, je serai le plus heureux et bien sûr, j'irai avec grand plaisir. Après, par rapport à la fin de saison avec Clermont, pour moi, c'est match après match parce que c'est assez compliqué à chaque match. Il y a Castres ce week-end. Il faut qu'on assure et faut que par rapport à ce week-end, faut qu'on continue. Il faut qu'on continue dans la victoire, mais vraiment c'est match après match et c'est top 8 comme le président nous l'a dit. Top 8 pour la Champions Cup. Philippe Spanghero pour Baptiste Jauneau. Ouais, Baptiste, une autre question par rapport à une sortie de Jean-Marc Lermé dans Rugbyrama qui a fait un peu parler aujourd'hui, où il a dit que la tournée en Argentine était prioritaire sur une Coupe du Monde moins de 20. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Moi, je le comprends parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie division d'écart. Toi qui es passé par cette équipe des moins de 20 récemment, est-ce que tu comprends ça, vraiment le fossé qui peut exister entre les deux et que les jeunes joueurs qui pourraient s'aguerrir sur une tournée en Argentine, ça doit être privilégié sur une Coupe du Monde moins de 20? Alors oui, je le comprends, oui non, parce que une Coupe du Monde des moins de 20, pour les 2004 cette année, ce sera leur seule de leur vie. Du coup, c'est, comment dire, participer à une Coupe du Monde des moins de 20, moi j'en ai fait qu'une et c'est vraiment marquant et ça m'a beaucoup aidé à me construire. Mais aussi, je pense quand même faire la tournée en Argentine, c'est vraiment autre chose. Je n'ai jamais été avec le groupe du 15 de France, mais je pense que c'est beaucoup plus enrichissant à vivre. C'était effectivement enrichissant. On rappelle, tu as fait une Coupe du Monde moins de 20 et tu l'as gagnée. Hein, c'est facile. Voilà. Et en tout cas, vous nous aviez régalé. C'est quoi l'avenir aussi pour toi à Clermont? Comment tu sens les choses? Ça fait déjà 3 ans que tu y es. Comment tu te projettes avec l'ASM? Ou alors est-ce que tu as envie d'ailleurs? Non, pour moi, j'ai signé jusqu'en 2026 avec Clermont. Pour l'instant, ça se passe bien, je suis content, même si j'ai eu quelques difficultés cette année avec mes blessures et j'ai pas réussi à jouer autant que j'avais envie, mais ça fait partie du job, j'étais pas à la hauteur. Seb Bézi était très bon, du coup voilà.
Du coup, ça serait essayer de m'imposer un peu plus les années à venir pour jouer un peu plus de temps. Et voilà. Quand on a grandi souvent dans les Pyrénées-Atlantiques, on aime bien y revenir, hein, souvent. C'est statistique. Oui, c'est souvent quand on a grandi là-bas et qu'on part tôt, on a souvent envie de revenir, mais bon, ça on verra. Bon, pas pour l'instant. Dernière petite question et sous forme de curiosité, quel était ton numéro 9 préféré quand tu étais jeune joueur? Alors quand j'étais jeune joueur, je regardais pas forcément le numéro 9. J'étais plutôt sur des troisième lignes, sur tous les joueurs. Je kiffais le rugby en général, mais j'aimais beaucoup Chabal parce que voilà, c'était Chabal. Après sinon c'était des joueurs étrangers ou je sais pas. C'était le rugby en général. J'avais pas de joueur préféré en soi. Voilà, mais du coup, les troisième lignes, c'est peut-être ce qui explique ton activité défensive, hein, qui a d'ailleurs été saluée par ton entraîneur ce week-end. Ouais, peut-être. Après, c'est dans ma famille. Enfin, mon père jouait troisième ligne et deuxième ligne. J'ai toujours voulu jouer ce poste. Mais bon, après, vu mon gabarit, vaut mieux pas que j'y aille. Voilà, mais bon, tu t'y frottes quand même et il s'y pique. Voilà, merci en tout cas Baptiste Jauneau d'avoir été avec nous. Bravo pour cette belle victoire qu'on rappelle 35 à 28 sur la pelouse d'Aimé Giral, c'était samedi. Et puis voilà, le Clermont qui est remis sur ses pattes avant ses trois derniers matchs, le Castres Olympique. Ce sera ce week-end, on le livrera sur Sud Radio. Ensuite, déplacement à Toulon et la réception le 8 juin de Montpellier pour la dernière journée de la phase régulière. Objectif top 8 pour Clermont. Merci Baptiste, à bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Allez, dans un instant, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 0826-300-300 parce qu'il y a de bonnes raisons. On continue bien sûr à parler de rugby. Et puis surtout, il y a un cadeau à gagner avec le pack gueule de rugby et un ballon. Voilà ce cadeau. Et d'ailleurs, il y aura aussi le monsieur de gueule du rugby, Jean-Pierre Pagès, qui va être avec nous dans un instant pour parler de Lucien Mias, voilà l'auteur, le concepteur de cette magnifique saga de 2023 photos qui reprend toutes les légendes du rugby français et de son histoire. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826-300-300. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot. Au cœur de la mêlée, 0826-300-300, voilà, vous nous appelez pour gagner un jeu, un pack, gueule de rugby bien sûr, et un ballon du Stade Toulousain, un ballon Gilbert quand même, c'est pas rien, 2023 photos pour gueule de rugby, et on est heureux d'accueillir l'auteur de gueule de rugby, Jean-Pierre Pagès, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Salut François. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans ce jour un petit peu particulier. Toi qui as réuni et photographié toutes les légendes du rugby français. Aujourd'hui, une légende est partie. C'est Lucien Mias, 93 ans, mais qui a été un personnage historique important dans le rugby français. J'imagine que la peine est grande, mais que justement, c'est aussi important de lui rendre hommage et d'expliquer aux plus jeunes qui était le Dr Pack. C'est ça, le Dr Pack. On se rend pas compte un petit peu de la grandeur de cet homme et du joueur qui a apporté à ce rugby français dans les années 50. Lucien Mias était à la tête et les jambes, grand deuxième ligne de l'équipe de France. Qui est du côté de Narbonne au départ et puis qui a atterri après à Castres avec la grande équipe castrette qui se battait justement, qui était la grande concurrente dans les années 50 du Grand Lourdes. Et Lucien Mias était un des fers de lance de cette équipe de Mazamet et de l'équipe de France. Et il était médecin aussi. Pardon ? Et il était médecin aussi parallèlement à ça. Alors instituteur au départ, et c'est vrai qu'il a basculé ensuite vers le métier de médecin, il a repris ses études, et puis il a pris cette vocation de médecin pour soigner l'âme et les stigmates des gens. Voilà, et c'est vrai qu'il nous a quittés. Toi, tu avais la chance d'aller le voir, d'avoir lié une relation avec lui, amicale, et donc de pouvoir discuter. Il y avait un peu toujours de la philosophie, du bon sens. Hein. On le voit dans les interviews que tu passes sur les réseaux pour Gueule du Rugby ou sur ta chaîne YouTube. C'est toujours assez éloquent.
Oui, alors avant tout, il était charismatique. Bon, le joueur, nous, on l'a pas connu, évidemment, nos générations, François. On a vu quelques images, deux, trois minutes de film, les années 50, et évidemment. On c'était pas aujourd'hui avec le top 14 des photos, mais c'est surtout autour des témoignages de gens qui parlaient de lui en disant il était avant tout charismatique, c'était un meneur d'hommes, c'était un grand combattant. Et c'est vrai que quand j'ai lui passé un coup de fil de temps en temps, tous les mois, en me disant Lucien, comment allez-vous, alors il m'appelait le Toulonnais, et évidemment on parlait essentiellement rugby, mais pas que de rugby, de la vie en général. Et c'est vrai que c'était magnifique. Je passais des heures quand je passais à Mazamé le voir, quand j'allais du côté de Castres en tournage, ou quand je passais. C'était toujours un bonheur réel de passer un moment avec lui et de passer un moment, je dis toujours, avec son aide-ménagère qui était là, son binôme, si on peut dire, Marie-Jo. C'était vraiment le couple où c'était Marie-Jo qui s'occupait de Lucien, qui avait toute sa tête, qui avait du mal un petit peu avec ses jambes. Mais voilà, ce soir, le rugby français perd vraiment un monstre absolu. Alors, il y a quelques semaines, on a perdu André Boniface. Mais Lucien Mias était encore bien au-delà d'André Boniface. C'était un monstre sacré, moins connu peut-être, mais les grands connaisseurs de rugby savent absolument ce qu'il a amené dans ce rugby français à travers des techniques et des physiologies et du mental, évidemment. Voilà, il fait partie des 2023 joueurs que tu as pris en photo dans les 4 tomes de ces gueules du rugby. Voilà, qui photos sont des vidéos, ouais. Des photos et vidéos. Photos et vidéos. Oui. Voilà, sont des beaux livres et également des interviews. Voilà, on fait gagner d'ailleurs ce soir un pack gueules de rugby et accompagné d'un ballon Gilbert Stade Toulousain. Et on a un gagnant, Benjamin de Carbonne, qui nous appelle, ou Carbonnet peut-être, en Haute-Garonne. Carbonne. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir tout le monde. Merci, et merci d'avoir appelé, bien sûr, Sud Radio 0826-300-300. Voilà, et bravo, parce que non seulement vous gagnez le pack, gueule du rugby, et en plus, son auteur, son concepteur est là, Jean-Pierre Pagès. Donc je vous laisse, messieurs, communiquer, Benjamin et Jean-Pierre. Eh bien bravo, bonjour, déjà, Benjamin. Merci beaucoup. Et je devrais vous dire en plus que je suis fan de vous parce que j'ai déjà un exemplaire et j'attendais de compléter ma collection en plus. Numéro combien ? Photo, quel magnifique, quel j'ai celui avec Chabal. Ah, le 3 alors. Ouais, donc il te reste le 1, le 2 et le 4. Et voilà, il y aura les 4. Régaler. 3 ans de lecture super. Facile. Super, merci beaucoup en tout cas. Benjamin, vous avez une période préférée là, des légendes qu'a capté Jean-Pierre Pagès ? Moi, je suis un peu jeune, donc on va dire que la nouvelle génération m'intéresse beaucoup. Après, je m'intéresse quand même aux plus anciens, parce que voilà, mais après, j'ai quand même certains personnages que j'aime beaucoup. Moi, je suis de Saint-Gaudens, donc il y a quelqu'un de Saint-Gaudens que j'apprécie beaucoup, c'est William Servat, oui. qui, pour moi, je l'adore, quoi. Et il y en a d'autres, mais bon, William Servat, c'est un de mes chouchous, quoi. Bon, il est bien en photo dans le pack gueule du rugby, Jean-Pierre, tu confirmes ? Bien sûr. Belle interview de 30 minutes de William Servat, magnifique interview aussi, en parlant de lui, de ses racines, justement, de l'homme, et évidemment de son palmarès. Philippe Spanguero avec nous toujours, réagir quand même voilà, à ce qu'on vient de dire sur Lucien Mias et faire le lien aussi sur ces gueules du rugby qu'on a souvent au téléphone, Jean-Pierre, et puis on en parle souvent. Mais Philippe, quand même, c'est vrai que c'est là, il y a entre André Boniface il y a quelques semaines et Lucien Mias ce soir, on perd du gros, du solide là. Hein. Ouais, on perd des légendes, comme le disait Jean-Pierre, mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance de tous les croiser et j'ai adoré les échanges que j'ai eus avec eux parce que ils avaient quand même un regard pour la plupart très bienveillant sur l'évolution de ce sport, qui regardait avec un peu de pas de suspicion mais de bizarrerie parce que c'était tellement différent de ce qu'ils avaient connu. J'entendais des anecdotes incroyables, quoi, quand ils allaient jouer des matchs après avoir bossé une nuit. C'était une autre époque, mais ils avaient cet amour des hommes, quoi. Et c'est vrai que ça, Jean-Pierre arrive à bien
bien le retranscrire dans ses ouvrages. Et c'est malheureusement, il faut qu'il décède pour que les jeunes entendent parler d'eux. Mais c'est aussi important pour le sens de l'histoire, voilà, de savoir un peu d'où on vient, quelle est notre histoire. Et je crois que ça, Fabien Galthié l'avait bien remis en place en arrivant à la tête de l'équipe de France. Et ça, ça me paraît vachement important quand même d'avoir des petits bouts d'histoire comme ça pour nos jeunes joueurs, parce que c'était des personnalités très atypiques pour la plupart et des très belles personnes. Et des grosses personnalités qui ont aussi évolué dans un monde où il fallait être plus réactif et donc développer notre activité. Et le docteur Lucien Mias a été de cela. Merci Jean-Pierre Pagès d'avoir été avec nous. Merci Benjamin, merci. Vainqueur du cadeau. Bon courage à toi dans tes Jean-Pierre pour tes nouveaux projets qui continuent pour Gueule de Rugby. Je suis en tournage là au Racing cette semaine. Bon. On va aller voir le Racing et puis le club amateur de Royal Malmaison. Là aussi, on va faire un grand écart entre le top 14 et le monde amateur. C'est une nouvelle collection que l'on a débutée pour ce cycle de 4 ans. Eh ben super. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On accueille Cédric qui est avec nous, qui nous a appelé au 0826-300-300 et Nicolas qui nous appelle. Bonsoir messieurs. Question pour Cédric pour commencer. Que retiens-tu de ce week-end ou même de cette journée de lundi avec cette info concernant Lucien Mias notamment? On va parler de ce week-end, Lucien Mias, vous en avez parlé déjà en début d'émission, mais quand vous venez d'en parler, on va parler de ce week-end, et ce que vous avez parlé aussi en début d'émission, c'est la grosse victoire du Stade Toulousain contre le Stade Français, qui fait que ça croise 3 points de différence avec eux, qu'il est là à 7 ou 8 points de Bègles, avec un jeu qui commence, c'est le jeu des phases finales du Stade Toulousain qui arrive avec le printemps, comme chaque année, avec maintenant qui sont sur une dynamique de victoire, et qu'on espère que ça va continuer minimum pendant 15 jours, avec Montpellier au milieu, mais surtout sur la finale de la Coupe d'Europe. Oui, toi tu les vois faire le doublé, ce Stade Toulousain-là? En tout cas, cette année, comme il y a trois ans, on a l'effectif pour le faire. Maintenant, après, les aléas du sport font que va falloir voir avec les matchs s'ils vont s'enchaîner, s'il n'y aura pas des blessures, s'il n'y aura pas, même si l'effectif est quand même, comme on disait, 54 joueurs qui ont été utilisés pendant la saison. Mais bon, après, quand on arrive en phase finale, c'est d'autres matchs. Mais oui, pourquoi pas, ça serait bien. Nicolas nous appelle de la Seyne-sur-Mer. Que retiens-tu du week-end qu'on a vécu ensemble sur Sud Radio? Je pense que je vais... Alors, il a parlé de Toulouse, donc je pense qu'on va parler de La Rochelle. Où est passée La Rochelle, j'ai envie de dire. Parce que par rapport à leur saison dernière, où il y a eu leur deuxième titre de champion d'Europe et cette finale contre le Stade Toulousain, là, on peine à retrouver cette équipe, alors que finalement, tous les cadres, ils sont là. Mais quand on voit un Grégory Aldrit qui, en sortant du terrain, on le sentait fatigué ou alors... peut-être abattu par la situation. Donc c'est vrai que c'est où est passé le jeu de La Rochelle, où est cette belle équipe de La Rochelle, quoi, j'ai envie de dire. Peut-être que Jalibert l'a reboosté à Aldrit, non, avec cette c'est possible. Enfin, en tout cas Bordeaux, en tout cas, on peut dire, est quand même bien lancé. Ils reviennent pas loin de la deuxième place. Ils vont être dangereux, nos amis girondins. Est-ce que Cédric, tu vois, toi, La Rochelle rester dans le top 6? Et je poserai la question à Nicolas après aussi, mais est-ce que tu les vois rester, toi, dans le top 6? Eh bien, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, il va y avoir un match décisif, ça arrive dans 3 semaines, je crois, contre le Stade, mais au Stadium. Donc, ça va être un match décisif pour eux. Donc, et peut-être le Stade, selon ce qu'ils vont faire à Montpellier, qui risque à faire, de toute façon, avec le public et tout. Donc, ça, je ne sais pas trop, c'est pas dit, je ne pense pas, moi. Bon, Nicolas, tu les vois, toi, dans le top 6 ou pas, ces Rochelais? Vu la Ligue d'Amique, je les vois pas. Après, ils vont avoir les cartes en main parce qu'ils vont jouer Toulouse. Ils vont jouer le Racing à Marcel des Flandres et ils vont jouer. Et je crois qu'ils jouent Castres aussi, il me semble. Donc, ils ont les cartes en main pour pouvoir rester dans le top 6. Mais quand on voit que Perpignan, même s'ils ont perdu contre Clermont, ils sonnent à la porte. Pau et Castres qui ont pas lâché prise et qui sont toujours là. Je pense pas, parce que je trouve qu'ils sont pas dans une bonne dynamique et voilà, ils ont eu du mal à battre Toulon qui pourtant avait fait tourner l'équipe dimanche dernier. Là, samedi,
ils perdent contre Bordeaux où ils se font allumer complet, donc ça va être très très compliqué. Il faut voir si effectivement le fait que Jalibert les a va les relancer, on va voir si ça peut jouer sur l'ego, mais en tout cas pour le moment ça en prend pas le chemin quoi. Eh bien, on va voir ça. En tout cas, on te remercie, Nicolas. On te remercie, Cédric. On est déjà en retard et ça passe toujours très, très vite. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, sur l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez toujours au 0826-300-300. Merci à toute l'équipe qui était aux commandes pour cette émission exceptionnelle. Merci, Philippe Spanghero. Excellente soirée. Merci. Les clés d'une vie à suivre. Jacques Pessy, comme chaque lundi soir. Merci.